Dans mon rôle de conseiller en développement de l'entraîneur et de l'environnement, j'ai l'opportunité d'aller sur le terrain, de discuter avec les entraîneurs, les intervenants pour être vraiment au fait de c'est quoi leurs besoins. Et à partir de là, on crée de toutes pièces des situations d'apprentissage. Donc, celle qu'on a aujourd'hui, qu'on vous présente, c'est avec un collaborateur, Jean-Paul Richard, de Tangible Performance. Puis, on amène des entraîneurs à réfléchir sur une problématique très particulière qui est celle de la performance sans compromis sur le bien-être. Le processus qu'on voulait vraiment mettre en place, c'était de réunir des entraîneurs et de leur donner une voix. Donc, de vraiment leur permettre d'être en mesure de cibler leur enjeu, devenir de plus en plus conscients de leur environnement. Et ensuite de ça, par leurs différentes informations qu'ils partagent ensemble, ben ils sont en mesure de vraiment créer un co-développement entre eux. Donc, chacun apporte différentes informations, puis ça, ben ce que ça fait, ben c'est qu'on va dans une direction qu'on pourrait pas aller si on était seul. Voilà, si vous êtes un entraîneur, vous êtes un intervenant, vous avez des enjeux immédiats, n'hésitez pas à nous écrire au Conseil du sport de Montréal. On est là pour travailler avec vous, collaborer, trouver des solutions. Donc voilà, au plaisir!